Ok, bon, déjà je prends les clés, hein, parce qu'à chaque fois j'oublie, voilà. Alors, découvrez, bon, ok, faites marcher un fantôme dans du sel, donc j'en ai pris. Trouver des preuves paranormales avec un lecteur EMF, nickel. Nettoyer la zone près d'un fantôme, emblème d'un bâton d'encens, j'en ai pas. Ok, donc il s'appelle Robert Brown, et le reste, je m'en fous, parce que je suis tout seul, enfin je crois. Donc déjà, on va voir où il est, lecteur EMF, j'en ai besoin. Et le sel, ah non, faut que je prenne la lampe torche. Bon, on va partir avec ça. Bon, du coup, j'ai pas de bâton d'encens. Hein. Bah, c'est pas grave. Hein. C'est quoi? Ouais, c'est un bâton. Ok. Alors, bon, c'est bon, les clés, je les ai. Ah oui, attends. bon, on va commencer par où déjà? On va commencer par voir s'il n'y a pas du degré. Enfin, du degré inversement. À quoi servent ces clés? À chaque fois, je les prends. Je ne sais pas à quoi servent. Ok, donc il fait bon dans cette maison. Quoique non, hein, 16, ouais, non, c'est ça. Les éviers, est-ce qu'ils sont propres? Magnifique. Robert Brown, est-ce que vous êtes ici? Ça commence à la foutre. Non, y a rien. Attends, ouais, je suis passé par là, ouais, ok. Du coup, la chambre. Y a rien. Là, y a une petite salle de bain. Oula. Ok. C'est assez étroit pour passer. Non, y a rien. La dernière fois, il m'a fait tomber ce petit bol. Hein. Y a pas une chambre là, si, voilà. Ici, rien non plus. Y a un petit livre, un iPhone. Salle de bain. Est-ce que l'eau est propre? Ah, moi, je vérifie tous les éviers. Hein. M'en fous. Hein. Ok. On va allumer la lumière pour une fois. Que ce soit bien visible. On va voir dans la salle de bain. Et je regarde même pas les degrés, je suis bête. C'est propre. Bon, il va finir à la cave, hein, je le sens. Comment il s'appelle déjà? Robert Brown? Ah, je sais plus. Ça, il faut que je retourne dans le camion dans tous les cas. Ok, donc il y a une, deux, trois, quatre paires de chaussures. Donc c'est une famille de quatre. Peut-être dans le salon d'habitude ça arrive. Ok. Ah, souvent moi ça arrive ici. Ah non. Ah, c'est une cuisine, d'accord. Ok. Sympa. Mais du coup, il est propre ou il est sale comme ça là? Je comprends pas. Ouais, je sais pas. D'accord. Petit débarras. Bien. Un salut. Bon. En vrai, le frigo est dans un sale état. Ok. Bon, ils ont tous la même salle de bain. Au propre. Après, je sais pas s'il faut que je laisse l'eau longtemps en fait. Ah. Ok, je crois que c'était ouvert. Ça, c'est pour sortir. En vrai, c'est la clé derrière que j'ai pris, je pense. Non? Non? Ok. Bon, on va faire tout le sous-sol. Enfin, le sous-sol ici, quoi. Ouais, ça va finir dans la cave, cette histoire. Alors ici, générateur comme d'hab, petit Audi A3. Ok, bon, bah pour moi c'est dans la cave. Après c'est peut-être pas la température, hein. À vrai dire. Non, c'est moi qui ai fermé. Stresse pas. Ok, d'accord. Ah, j'aime pas quand c'est dans la cave. Moins 7 degrés, on était moins 8. Est-ce que c'est ici? Ok. Ah mais je sais pas en vrai où c'est. Donc c'est ici. Les détecteurs EMF, on va le laisser là. Et on va se tailler. Moi c'est bon, j'arrête de jouer. Ciao. Moi la cave, non, c'est hors de question. Ok, donc c'est ici. Donc je vais prendre une caméra. Crucifix, non. On va voir. En vrai le crucifix m'a pas servi une dernière fois là. Ah non, faut que je prenne du sel. Donc du sel. Ah mais pourquoi je mets trois caméras moi aussi? Donc caméra, nettoyer la zone près du fantôme, donc ça je peux pas le faire. Donc lecteur EMF et du sel. Donc j'ai le lecteur EMF. Non, je l'ai plus. Ouais, j'ai ça. On va placer la caméra. Ah, j'aurais peut-être dû en prendre deux en vrai.
Ouais, j'aurais pu en prendre deux. Hop. Et le sel, il est où? Ok. Ici. Ok, donc on va mettre deux, on va mettre là et là. Parce que c'est sûr qu'il passera ici. Ah, je peux en mettre plusieurs. Ok. Bon, on verra après, non? On va aller chercher. Qu'est-ce que je peux prendre? L'appareil photo. Prendre, c'est pas mes passes, hein, quand même. Est-ce que les 5 minutes sont déjà passées? Mais ça passe super vite, c'est pas 5 minutes. Appareil photo, on va prendre. Crucifix, non. Ah, le livre. Le livre, le livre. Après, je prendrai peut-être le crucifix, mais ça, je vais le mettre au sol cette fois, parce que une dernière fois, je l'ai mis, je suis mort. Donc, il m'a pas aidé, quoi. Ok. Ok, d'accord. Voilà. Donc lecteur EMF, il faut que je le fasse sonner. Au moment, il a pas sonné. Ah, c'est toi qui as fait tomber ça. Allez, mets-moi un petit signal là, que je puisse me tailler. Je suis pas en sécurité là. C'est moi qui ai marché dedans ou c'est lui? Il a marché dedans là. Ah, je sais pas. Alors, ah, j'ai oublié son prénom. Bon, on y retourne. Comme ça, je vais pouvoir lui parler. Faites marcher un fantôme dans du sel, d'accord. Ok. Ok, bah, je vais prendre ça en photo, ça fera un indice. Ouais. Donc, pour le moment, j'ai rien, j'ai pas le MF. J'ai pas d'orbe parce que j'ai pas regardé encore sur la caméra comme il faut. Et je sais pas exactement où il est au final. On va prendre en photo le sel. Nickel. Mais arrête de bouger ce truc là. Robert Brown, es-tu ici avec moi ce soir? Oh, Robert, éteins la lumière s'il te plaît. Moi une petite faveur, éteins cette lumière. Après tu la rallumes. Faut pas déconner non plus. Ah, il a marché là aussi. C'est moi qui marche dedans. Ok. Dans un cul-de-sac. Je vais me faire avoir. On va attendre un petit peu. Mais en vrai, je vais faire un peu le tour parce que il peut se déplacer peut-être. Robert Brown, éteins toutes les lumières ou allume-les. Allume, lumière. Activité 0. C'est bon. Ok, mais on a aucun signal. Aucune activité. Il est timide. Hein. On va voir s'il n'y a pas des. Attends, mais il a allumé la lumière. Ah, il y était déjà, je crois. Moi, j'aimerais bien qu'il éteigne la lumière. Donc, trouver des preuves paranormales avec le MF. J'ai jamais eu un EMF aussi calme, en vrai. Parce que là. Ça s'active pas, hein, c'est assez mou. Je vais dire ça et comme par hasard, il va me manger, le méchingue. Ok, donc le sel, c'est ok. Lecteur, die, die, die. Ok, bah je vais me casser. Non, mais y a pas de souci, gros. Moi, je reste pas ici. Hein. Donc on a écriture fantomatique. Vite. Alors, spirit box empreinte digitale. Oh, bon, j'ai pas vu. Écriture fantomatique. Et le reste, y a rien. Ah ok, hein, si tu veux, je me taille. Mais d'abord, fais-moi sonner ce putain de MF. Robert Brown, fais-moi sonner le MF. Robert Baratheon. Robert Brown, tu peux éteindre la lumière et t'éloigner de l'établi, s'il te plaît. J'ai pas envie que tu touches à la scie, s'il te plaît. Hein. Vraiment. Live or die. What does mean this, please? Avec mon magnifique accent. Il veut pas trop communiquer, hein, mais je pense que dès qu'il va vouloir venir là, ça va être sale. Hein. Ok. Bon, le MF, j'ai rien. Est-ce que j'en ai un deuxième de MF? Ah! D'accord. Ok. En vrai, là, je sais pas si le MF. Attends, je suis bête proche, je l'ai pas posé. En vrai, le MF, je sais pas s'il a été à 5. J'ai pas eu le temps de regarder.
Mince. En tout cas, il a sonné. On va retourner là-bas. Parce qu'on est des tapettes, tu vois. Et là, il ferme la porte, mon Dieu. On va retourner là-bas pour voir si le meuf a été validé déjà. Ça nous fera une tâche en moins. Oh, il nous a fait un petit coup de pression là, normal, au calme. Ouais, donc il a été validé. Donc maintenant, il reste plus qu'à voir. Donc ça, je pourrais pas le faire malheureusement. Maintenant, faut voir s'il y a des orbes ou quoi. Donc, on va prendre ça. Par contre, le MF, je sais pas combien il est monté. Donc, dans le doute, on va le mettre. On va le laisser. Et on l'enlèvera si on trouve plus d'indices. Donc, écriture fantomatique, c'est ok. Orbe, il n'y a pas pour le moment. Spirit Box, je pourrais le faire après si j'en ai. Pardon, mince. Écriture fantomatique. Ah, attends. Attends. Empreinte digitale, ok. Donc, ça, on va aller le faire. Température glaciale, j'en ai. Ah, mais si, j'ai une température glaciale. Non? Eh oui! Ok, donc le MF. Donc, pour le moment, ça serait quoi? Ça serait rien? D'accord. Donc, il n'y a pas de MF pour moi. Ok. Donc on n'aura pas de MF niveau 5 si on a température glaciale et écriture fantomatique. Donc pour le moment, qu'est-ce que c'est? Un démon. Ou un Yurei. Ok. Donc si je trouve des empreintes digitales, c'est ça? Ça serait quoi? Ça serait rien. Donc ça peut pas être ça alors. Par contre, des orbes, ça serait un Yurei. Ok. Mais qu'est-ce qu'il me reste? EMF niveau 5. Ça ferait quoi? Ok. Et par contre, Spirit Box. Un démon. D'accord. Bah, je sais pas quoi faire alors, du coup ça sert à rien l'empreinte digitale. On va prendre Spirit Box. Le crucifix, je sais pas m'en servir parce que chaque fois que je l'ai, je me fais tuer au final. Ah, je pense que ça va être Spirit Box parce que je vois pas d'orbe. Et pourtant il y a un petit peu d'activité. Oh, mon cerveau il a pris un coup. Bah, on va faire le Spirit Box. Et si ça marche, bah, on a trouvé hein, que ce soit un démon ou je ne sais quoi. Attends, on va prendre les pilules. Hein. Ah, après, je peux pas jamais les prendre, je comprends pas. Yes. Attends, on va pas perdre ça, c'est bon, c'est bon. C'est pas grave, si je meurs, je meurs. Ok, allez, c'est parti. On y retourne. Robert Brown. Je suis même pas encore. Calmos. Robert, es-tu là? Tu m'as éteint la lumière, Robert? C'est pas gentil. Robert Brown. Robert Brown, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu veux bien me répondre? Si tu me réponds, je m'en vais, y a pas de souci. Frérot, c'est chez toi, tu fais ce que tu veux. Oh Robert, réponds s'il te plaît. Vraiment. J'ai pas le time. J'ai encore 2-3 maisons à faire après, donc fais vite. Robert Brown, es-tu ici ce soir avec moi? Ou cette matinée, je ne sais pas. Robert Brown, est-ce que tu es avec moi? Attends, on va juste regarder un truc. Ouais, c'était bien de température glaciale, donc je fais pas de bêtises. Robert, je sais que tout à l'heure quand j'étais dans le coin tu es venu. Est-ce que tu as envie de revenir, me dire quelque chose? Ou me faire quelque chose du coup? Parce que je le sens mal. Je t'ai toujours pas vu. Hein. Ouais Robert, je t'ai toujours pas vu, faut que tu viennes un peu. Je sais pas, non? Robert Brown, Robert Brown, Robert Brown, Robert Brown. Rien de détecté, ok. Rien de détecté. Ah je savais même pas que ça pouvait dire ça. Ah mais il m'a éteint à la minuit. Ah non. Je stresse tout seul. Oh. Attends, je vais le mettre là. Ok. Attends. Donc pour le moment, la spirit, elle détecte que dalle. Donc Robert Brown, est-ce que tu es là? Donc Spirit Box, c'est peut-être pas ça finalement. Ah. Non, ok. Robert, est-ce que tu es ici? Robert. Est-ce que tu veux bien allumer la lumière? Au lieu de l'éteindre. Rallume, rallume. Voilà, merci. Tu l'éteins pas. Hein. Éteins pas la lumière, Robert. Je vais me fâcher sinon. Robert? Robert? Est-ce que tu peux me répondre via la Spirit Box sur ma radio? Tu te connectes en 97. 98 maintenant. 99. Connecte-toi dessus. Robert? Elle me dit rien de détecté, je pense. On va le faire encore une fois et après on s'en va. Allez. Robert, un petit message. Un petit bonjour, je ne sais quoi. Faut te faire grincer les portes là. Ok, bon. T'as marché dans le sel en tout cas. Ah, j'ai pas pris ça en photo au fait. Ok. Ok, bon. Ah! Tu m'as fait sauter le générateur et moi je suis débile.
Ok, voilà. Bon, pour le moment, on détecte rien du tout. Spirit box de merde. Au cas où il s'apparaît devant moi, il s'apparaît, ouais, bien. Pourquoi pas? Donc, on avait quand même une petite activité. Et moi, je vais faire une rupture d'anévrise avec ce truc. Ouais, 49%, donc ça va encore. Est-ce qu'il y a des orbes? Non, hein. Qu'est-ce que je pourrais mettre là? Écriture fantomatique, c'est sûr. Température glaciale, je les ai. MF niveau 5, mais j'aurais pas de fantôme. Spirit Box, ça serait un démon, mais il répond pas. Empreinte digitale, ça marche pas, donc ça sert à rien que j'aille voir. Orbe, ça serait un Yurei. Écriture fantomatique, ah d'accord. Attends, écriture fantomatique. Mais non, j'ai déjà mis. Température glaciale, aucune preuve. Et ça serait quoi du coup? Ouais, mais comment tu veux que je sache maintenant? Après, j'ai peut-être mal placé la caméra. En vrai, il est peut-être dedans. Et ouais. Et ouais, je pense pas à ça, moi. On va aller voir. Donc, c'est soit un démon, soit un Yurei. Donc, un démon, je vois ce que c'est, mais un Yurei. Qu'est-ce que c'est? Moi, je sais pas ce que c'est. Kill, kill. Il va me dire ça, je vais rien comprendre. Ouais, parce qu'en fait, il est peut-être là-dedans. F. F, voilà. Bon, je vais le laisser tranquille. On va s'en aller. Robert Brown, essaie de me dire un petit message. Bon. Activité pas folle non plus, mais elle peut s'intensifier après. Donc niveau preuve, je suis pas mal normalement pour le moment. Et on va voir s'il y a des orbes. Bon, il n'y a rien du tout. Donc c'était bien des orbes, ok, la dernière fois. Là, non. On va aller faire un petit peu de recherche. Donc là, j'ai les photos du ciel et tout ça. Spirit Box, seul certains fantômes parleront à travers une Spirit Box lorsqu'on leur posera une question. Ah! C'est peut-être pour ça qu'il éteint les lumières en fait. D'accord, non, ça par contre, je savais pas. Ah, donc je vais lui parler avec les lumières éteintes. On va essayer. Ça, c'est fait, ça non. Donc ça non, c'est pas monté à 5. Attends, si ça monte à 5 d'ailleurs, si ça marche ou pas. Je crois que j'ai déjà fait. Donc je pense que s'il répond à la Spirit Box, c'est bon. Empreinte digitale, il n'y a pas besoin. Et orbe, il n'y a pas. Donc pour moi, il peut répondre à la Spirit Box, mais il fallait éteindre les lumières. Ok, bon, bah c'est ça. C'est ça, c'est ça. Là, je suis sûr d'un truc, si c'est pas ça, on se taille. C'est bon? On va faire ça. Allez, un petit ballon, là, je l'ai vu. Donc la Spirit Box, elle est là. Ah! Bah oui, mais commence pas comme ça, frérot. Moi, je me taille, hein. Ah! Ah non, mais là, par contre, c'est pas gentil. Il est où? Il est où? Une petite photo? Petit selfie? Non? Where are you? Robert, dégage, dégage. T'es Robert, je rigole pas avec toi. Et je le vois pas. Allez, allez, petite photo, petite photo. Oh non, oh my god! Oh non! Non, mais c'est impossible tout seul. Ah, c'était quoi? J'ai même pas eu le temps, vite. Est-ce que je peux tricher? Allez, je mise sur un démon. Non, c'était un Yurei, je crois. Parce que c'était Spirit Box. Vite, 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 vite. C'est un démon, c'est un démon. Non! Ah non, c'est un Yurei, d'accord. Ok. Bon. Bah voilà. Ok. Non, je me suis trompé sur quoi? Si c'était un Yurei, c'est que. C'était pas la Spirit Box, du coup. Ok, bon, bah la prochaine fois, je pense que je vais réussir. Mais en fait, je traîne trop. Je traîne trop là-dedans. Il faut que j'aille plus vite. Mais c'est beau. C'était beau. Très très beau. En tout cas, il n'était pas beau lui. Hein.